La chambre des âmes. La source divine doit être ici. C'est par cette porte qu'il faut passer pour atteindre le cœur de la cité. J'ai échoué. Mes péchés ne seront pas absous. J'ai maculé mes mains de sang en recherchant le prophète, et aujourd'hui, il ne reste plus rien. Alors que l'assaut se muait en siège, le peuple du prophète a commis l'impensable. Ils ont retourné leurs armes contre le glacier et enterré leur propre cité. La glace a enseveli tout le monde, que ce soit les Mongols ou les disciples du prophète. Le Khan et sa horde de guerriers sont morts. Les habitants de Kitej sont brisés et dispersés. Moi seul ai survécu, dans le cœur gelé de la cité, avec pour seule compagnie l'armée d'immortels du prophète, aux yeux brûlants d'une lueur impie. Encore maintenant, ils traquent les survivants dans les ruines. Je ne sais pas comment je me représentais un être immortel. Mais Jacob semble si... humain. Quand je pense aux choses dont il a été témoin au fil des ans, à ses expériences, ses connaissances, ça dépasse l'entendement. Et pourtant, il a menti à son peuple pendant des générations. Tout ça pour garder ce secret. Quelle merveille la source divine nous révélera-t-elle ? Les hommes saisiront-ils enfin la véritable nature de l'âme ? Ou auront-ils accès à une fabuleuse découverte scientifique ? Dans tous les cas, les enjeux sont trop importants pour laisser la Trinité s'en mêler. Les immortels surveillent les rues. Je dois rester discrète. Des cloches pour sonner l'alarme. Je devrais les détruire. Oh!
Difficile à dire. La grammaire mongole est complexe, mais on dirait des instructions. Incroyable. Le style paraît ancien, mais on voit un train. L'arrivée des Soviétiques. Quelque chose derrière cette barrière.